Bonjour à tous. Aujourd'hui, un petit point sur les conversions. Qu'est-ce que convertir ? Convertir, c'est transformer une unité de mesure en une autre unité de mesure, plus petite ou plus grande. Alors, il faut savoir que l'on peut mesurer de nombreuses choses. On peut mesurer, par exemple, des longueurs. On peut mesurer des masses, du temps, un volume, etc. Enfin, on peut mesurer plein de choses. Donc pour comprendre les équivalences, eh bien il va falloir choisir une grandeur physique et nous allons démarrer par le volume, c'est-à-dire ce que l'on va mesurer en litres. Alors, comme nous connaissons bien le litre et que cette unité indique un volume, c'est celle que nous allons positionner en premier dans ce que l'on appelle le tableau de conversion, le litre. Le tableau de conversion a été créé pour faciliter les transformations, les conversions, et donc il va nous indiquer différentes unités de mesure que l'on va pouvoir utiliser, c'est-à-dire que le litre va se décliner en unités de mesure plus petites et en unités de mesure plus grandes. On va voir comment se construit ce tableau. Partons donc du litre. Comme on l'a vu dans notre rappel sur les nombres et la numération, eh bien, nos nombres se construisent avec des puissances de 10. Eh bien, nous allons voir que ce litre peut se partager lui aussi en 10. Pour cela, on va utiliser l'instrument qui nous permet de mesurer des volumes, le vermesureur, avec bien sûr ici la partie liquide, et cette fraction ici qui nous indique bien un dixième de litre, c'est-à-dire un litre partagé en 10. Donc on va verser l'eau de cette bouteille dans le vermesureur et répartir en 10 portions d'eau. Donc nous versons 1 litre partagé en 10, 1 dixième de litre. Et nous allons voir quel contenant correspond à ce dixième de litre. Voilà, on peut voir qu'un dixième de litre correspond à un ramequin. Et nous répétons l'opération 10 fois. Et voilà, la bouteille est donc vide. Les 1 litre d'eau se sont répartis dans nos 10 ramequins. 10 fois la même quantité d'eau. Eh bien, cette quantité d'eau, nous lui avons donné un nom, puisqu'il s'agit d'un dixième de litre, elle s'appelle le décilitre. On va donc reporter dans le tableau ce que l'on vient d'observer. 1 litre est donc égal à 10 décilitres, avec un D comme 10, un litre partagé en 10. Et on pourra garder comme repère que le litre correspond à une bouteille et le décilitre correspond à un ramequin. On peut donc mettre 10 ramequins dans une bouteille, 10 décilitres dans un litre. Pour lire, il suffit d'aller jusqu'au bout du nombre et de remonter ici. 10 décilitres. Je profite de l'occasion pour rappeler que 1 litre d'eau peut se verser dans un cube qui ferait 1 décimètre d'arête. 1 décimètre, je vous rappelle que c'est comme ici, 1 décilitre, c'est 1 litre partagé en 10. 1 décimètre, c'est 1 mètre partagé en 10, soit 10 cm. Donc si on a un cube de 10 cm sur 10 cm sur 10 cm, eh bien ça s'appelle un décimètre cube. Et un décimètre cube peut contenir le même volume qu'une bouteille de 1 litre. Alors, on n'ira pas plus loin aujourd'hui sur la notion de décimètre cube, mais c'est quelque chose à garder quand même en mémoire. Reprenons la construction de notre tableau. Nous allons de nouveau partager cette unité de mesure en 10 pour constater
L'équivalence. Alors, cette fois-ci, je vais reprendre mon décilitre que j'avais lui-même partagé en 10. Nous allons donc utiliser ce petit verre mesureur. Ce verre mesureur fait lui-même un décilitre, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, je peux mettre exactement la quantité d'eau contenue dans mon ramequin. Ce décilitre est gradué et donc je vais utiliser un dixième de ce verre mesureur, c'est-à-dire jusqu'ici, et répartir ma quantité d'eau dans 10 contenants. Donc, on prélève une quantité pour mesurer un dixième du décilitre, c'est-à-dire un décilitre partagé en 10, et on constate qu'on peut verser cette quantité dans un bouchon. Et on reproduit, même chose, cette démarche une dizaine de fois. Pendant ce temps, les chats s'amusent. Le ramequin est donc vide et nous avons pu répartir notre décilitre dans 10 bouchons. Donc, encore une fois, on va pouvoir donner un nom à cette quantité représentée dans un bouchon. Il s'agit donc d'un décilitre partagé en 10. Je vous rappelle qu'un décilitre, c'était déjà un litre partagé en 10. Donc, dans un bouchon, j'ai l'équivalent d'un litre partagé en 100. C'est donc le centilitre. Je pourrais mettre 100 bouchons dans ma bouteille. En conclusion, on vient d'observer que un décilitre, c'est-à-dire un ramequin, correspond à 10 centilitres. Et on vient d'expliquer que le centilitre s'appelait ainsi parce que dans un litre, nous avons 10 décilitres. Et donc, si je prends 10 ramequins, cela correspond à 100 bouchons, 100 centilitres. 1 litre égale 100 centilitres. 1 décilitre égale 10 centilitres. Donc, le centilitre, on peut ici continuer à construire notre tableau. Le centilitre correspond au bouchon. C'est-à-dire que dans un litre, je peux mettre 10 ramequins, verser 10 ramequins, ou bien je peux verser 100 bouchons. Dans un ramequin, je peux retrouver 10 bouchons. Maintenant, eh bien, on va diviser encore une fois ce centilitre en 10. Vous imaginez bien, on va trouver des toutes petites quantités. Donc, je n'ai pas de contenant qui correspond à un dixième de centilitre. On va le faire sur une plaque pour observer que finalement, il s'agit de quelque chose qui ressemble à une grosse goutte. Donc, je viens de prendre le contenu de mon bouchon dans ma seringue et maintenant, je vais répartir cette quantité en essayant de faire 10 fois la même quantité. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Donc on voit qu'il m'en reste encore un petit peu. Je peux en rajouter parce que certaines gouttes sont un peu moins volumineuses que d'autres. Voilà, ma seringue est quasiment vide. Elle est vide. Voilà, hop, je n'ai plus rien. Donc, on constate que un centilitre partagé en 10
Eh bien, ça correspond à de très grosses gouttes d'eau. Donc, ces très grosses gouttes d'eau, eh bien, on va les appeler des millilitres, puisqu'elles partagent notre centilitre en 10. Il m'en faudrait donc 1000 pour remplir ma bouteille d'eau. On vient donc d'observer que 1 centilitre est égal à 10 petites gouttes d'eau, enfin grosses gouttes d'eau, c'est-à-dire 10 millilitres. J'ai donc 10 grosses gouttes d'eau dans un bouchon. On peut donc dire que dans un ramequin, j'ai 10 bouchons, soit 100 gouttes d'eau, 100 millilitres. Et dans une bouteille, eh bien, j'ai 10 ramequins, soit 100 bouchons, soit 1000 gouttes d'eau, 1000 millilitres. Donc, le millilitre représenté par une grosse goutte d'eau. Voilà. 10 grosses gouttes d'eau dans un bouchon, 10 millilitres égale 1 centilitre. 10 bouchons dans un ramequin, 10 centilitres égale 1 décilitre. 10 ramequins dans une bouteille, 10 décilitres égale 1 litre. On vient de compléter les trois colonnes plus petites que le litre. Hein, celle qui divise le litre en 10, puis en 100, puis en 1000. Notre tableau est également constitué de trois autres colonnes, cette fois plus grandes. C'est-à-dire qu'au lieu de partager mon litre, eh bien cette fois, je vais le multiplier. Donc, si je prends 10 bouteilles d'eau, comme celle-ci, on va représenter ça par un carton. Si je devais mettre mes bouteilles d'eau quelque part, je pourrais les mettre dans un carton. Eh bien, mon carton de 10 bouteilles porterait le nom de déca litre. Alors, on a encore un D qui signifie 10. Ici, le D signifiait qu'on divisait par 10. Eh bien là, pour trouver un moyen mnémotechnique, il faut se rappeler que déca, c'est multiplié par 10. Et comme c'est une colonne plus grande, eh bien, elle a une lettre de plus. Donc ici, on multiplie le litre par 10. Si on le multiplie par 100, eh bien, on obtiendra l'hectolitre, c'est-à-dire que 100 bouteilles d'eau correspondent à un hectolitre. Et enfin, par 1000, alors il a été longtemps dit qu'on ne pouvait pas dire le kilolitre, mais ça s'écrit quand même parfois. Kilo qui signifie 1000, on multiplie par 1000 le litre, le kilolitre. J'ai oublié de préciser, pour avoir des équivalences à l'esprit, que on a dit que nos 10 litres pouvaient se mettre dans un carton, hein, 10 bouteilles d'eau. Eh bien, pour mémoire, 100 litres, ça peut correspondre au volume d'eau qu'on pourrait verser, par exemple, dans une bonne brouette. Et 1000 litres, eh bien, ça correspond à ce qu'on pourrait mettre dans une citerne, par exemple, celle que l'on met, les tonnes à eau que l'on met derrière les tracteurs pour aller nourrir les bêtes. Alors, ce qu'on vient d'expliquer sur les volumes, eh bien, se retrouvent également pour d'autres grandeurs physiques. J'explique. Nous avons donc évoqué la grandeur physique qui est le volume que l'on peut mesurer. Et bien maintenant, on va parler d'une autre grandeur physique qui vous est très utile dans vos formations, la longueur. Et on terminera par une dernière grandeur physique très utile pour les cuisiniers, la masse, qu'on appelle souvent par défaut le poids, mais le terme réel est la masse, puisque le poids est une force. Partons donc sur les mesures de longueur. On sait que l'unité de mesure classique de la longueur est le mètre. Eh bien, nous allons procéder exactement de la même façon pour construire notre tableau, c'est-à-dire d'abord construire les unités qui sont plus petites et qui nous servent beaucoup plus à nous en atelier, hein, puisque les élèves de menuiserie, métallerie,
utilisent surtout la longueur, et les élèves agents polyvalents de restauration ou assistants techniques utilisent la masse et le volume, donc surtout ces colonnes-là. Donc 1 mètre correspond, voilà, à la règle d'un professeur en classe. Donc ce mètre, eh bien, je vais commencer de la même manière que tout à l'heure, par le partager en 10. Donc j'ai matérialisé, regardez, par des petites marques ici, le mètre partagé en 10. Et on observe donc qu'un mètre partagé en 10 correspond à cette partie-là. Donc 10 cm. 10 cm, eh bien, ça porte un nom. C'est un décimètre. Alors, vous connaissez ce terme, puisque vous l'utilisez par exemple pour votre règle qui est dans votre trousse, qui est souvent un double décimètre. 10, 20. On appelle ça le double décimètre. Il existe aussi parfois, alors ça rentre pas dans la trousse cette fois, des triples décimètres. 10, 20, 30. Donc, 1 mètre partagé en 10 correspond à 1 décimètre. Mètre. Alors, pardon, j'aurais dû ici écrire en script pour être logique. Donc, le mètre et donc le décimètre. Pendant ce temps, Pepperoni s'hydrate. Maintenant, si je partage mon décimètre en 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eh bien, donc, j'obtiens toutes ces grandes graduations qui correspondent aux centimètres. Et effectivement, on constate bien qu'ici, j'ai 10 centimètres, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Soit 1 mètre correspond à 100 cm. Donc ici, je peux compléter mon tableau. 1 mètre correspond à 10 décimètres, mais également à 100 centimètres. Et maintenant, on va partager le centimètre en 10, et ça, vous le connaissez bien. 1 cm partagé en 10, eh bien j'obtiens ces 10 petites graduations. 1, 2, 3, 4, 5, avec le 5 un peu plus marqué. 6, 7, 8, 9, 10. Eh bien, la graduation obtenue s'appelle le millimètre, comme indiqué ici. Donc j'ai bien 10 mm dans 1 cm. 1 cm correspond à 10 mm et 1 mètre correspond à 1000 millimètres. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, donc le millimètre, ici j'ai partagé mon mètre en 10, puis en 100, puis en 1000. Maintenant, je peux aussi le multiplier par 10. 10 mètres correspondent à 1 décamètre, l'équivalent du mur de ma maison que je vais vous montrer tout de suite. 1 décamètre, soit 10 mètres. Enfin, 10 murs de ma maison correspondraient à une longueur de 100 mètres. Donc 60 mètres, soit 10 décamètres, correspondent à un hectomètre. Je vous rappelle que hecto signifie qu'on multiplie par 100. Et donc, je vais vous montrer l'équivalent de 100 mètres. Donc 100 mètres. Une impasse, soit un hectomètre, donc 100 mètres, ou l'équivalent de 10 murs de la maison. Le kilomètre, donc kilo qui signifie 1000, donc 1000 mètres. 1 kilomètre est bien égal à 1000 mètres, ou bien 100 décamètres, ou 10 hectomètres, c'est-à-dire 10 impasses. Eh bien, 10 fois l'impasse, ça correspond pour
Nous étudions, chers bourgeois, à la distance entre le lycée Tocqueville et le magasin Action. Donc, pour mémoriser nos repères, je rappelle le millimètre qui correspond au plus petit trait sur la règle, le centimètre qui correspond aux grandes graduations sur la règle, le décimètre qui correspond à la moitié d'une règle que l'on peut mettre dans sa trousse, la moitié d'un double décimètre, le mètre avec le ruban de mètre que vous connaissez, ou bien le mètre qui correspond à la règle du professeur, le décamètre qui correspond à la longueur d'un mur de maison, l'hectomètre qui correspond à la longueur d'une impasse, 100 mètres, et le kilomètre qui correspond à la distance entre le lycée et un magasin, c'est-à-dire 10 fois une impasse. Maintenant que vous avez tout compris, on va être beaucoup plus rapide pour étudier les masses. Eh bien, au niveau de la masse, même chose. La masse de départ, c'est le gramme, ce qui correspond à peu près à un aimant que vous pouvez avoir pour votre tableau. Cette masse partagée en 10 nous donnera le décigramme. Le décigramme partagé en 10, le centigramme. Et le centigramme, enfin, partagé en 10, le milligramme. Alors, en cuisine, on utilisera effectivement le centigramme, mais plus particulièrement le décigramme et le gramme. Alors ensuite, de l'autre côté, vous vous rappelez les trois colonnes où l'on multiplie cette fois-ci. Eh bien, 10 grammes, c'est tout simple. C'est l'équivalent pour nos cuisiniers qui connaissent bien. Voilà, ici, 10 grammes d'un sachet de levure. Ensuite, 100 grammes pour les gourmands, c'est l'équivalent, eh bien, d'une tablette de chocolat. Et enfin, 1000 grammes, c'est-à-dire 1 kilo pour les sportifs. Bon, ça reste une petite mesure, c'est par exemple l'équivalent d'un poids pour développer ses biceps. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la colonne la plus importante, c'est la colonne centrale, qui nous indique la grandeur physique mesurée. D'ailleurs, vous remarquez qu'à chaque fois, on retrouve ici le grand L dans chaque colonne pour bien nous indiquer que l'on parle d'un volume. Ici, on retrouve le petit M dans chaque colonne et le petit G dans chaque colonne. À chaque fois, vous devez vous souvenir que cette colonne centrale, eh bien, on va la diviser par 10, 100, 1000 pour obtenir les trois colonnes plus petites et la multiplier par 10, 100, 1000 pour construire les trois autres colonnes. Notre tableau de conversion a donc sept colonnes. Dans une prochaine vidéo, eh bien, on verra comment manipuler et utiliser ce tableau.